Donc la troisième solution, ça va être de trouver. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc voilà, C'est le juge de Cerconos qui vous parle. la troisième solution, On ça m'a va être informé de que certains se trouver plaignent de la poussière la qui solution s'amasse du sur verrou les pour moi-même. remparts des villes. Toutes les guerres sont coûteuses. Vous l'ignorez peut-être, mais les mines d'argent sont exploitées au-delà de leur rendement maximum afin de financer le Parce conflit. qu'avec le Vous verrou, comme vous l'avez pourriez pu ces voir cambrioleurs peut-être ne tout à l'heure, il y tuent a. pas de la Ah. poussière. Tant pis. Allez, barrez-vous. Une autre fois peut-être. Non, en fait. Voilà, il y a Allons-y. l'énigme à côté. Donc c'est assez complexe, elle change à chaque fois. À la soirée se trouvait Dame Winslow, le docteur Marcola, la comtesse Conti, Madame Natsiu et la baronne Finch. Les femmes s'assirent en rang. Elles étaient toutes vêtues de couleurs différentes. Madame Winslow portait un élégant chapeau violet. À l'extrême gauche se trouvait la baronne Finch, à côté de la convive au veston blanc. La dame en rouge était assise à la gauche d'une personne en vert. Je me souviens de son habit rouge, car elle l'avait taché de whisky. La voyageuse venue de Freeport portait un ensemble bleu. Quand l'une des invitées se vanta d'avoir une médaille de guerre à sa possession, sa voisine déclara qu'on trouvait largement mieux à Freeport, où elle habitait. Alors le docteur Marcola exhiba fièrement une bague de grande valeur, dont la dame de Dunwall s'empressa de se moquer en montrant à son tour un pendentif qui, selon elle, était bien plus remarquable. Une autre femme avait apporté un diamant magnifique. Quand la visiteuse de Balleton à côté d'elle l'aperçut, elle faillit renverser le verre de rhum de sa voisine. Ensuite, Madame Natsiu se resservit un peu d'absinthe pour porter un toast. La dame de Karnaca, grisée de bière, sauta sur la table et tomba sur la convive. Il tomba sur la convive assise au centre, renversant le verre de vin de la pauvre femme. Plus tard, la comtesse Conti captiva l'ensemble, l'assemblée, en racontant une histoire de sa folle jeunesse à Dobokva. Au matin, il y avait quatre objets de valeur sous la table, une médaille de guerre, une tabatière, un pendentif et un diamant. Mais à qui chacun appartenait-il? Voilà la super énigme de Gilles. Alors le truc important dans cette énigme, ce sont les couleurs. Ok? Donc en résolvant cette énigme, Dommage, j'aurais pris des cigares. Vous en voudrez un? on Je pourra manquerai ça ouvrir pour rien au monde. le verrou et entrer chez Aramis Tilton. Donc ce que je vais faire, je vais résoudre l'énigme, débloquer la porte. Mais je vais ne pas rentrer dedans. Ok? Je vais attendre que le trophée tombe et puis je vais retourner récupérer toutes les runes, les charmes d'os qu'il y a ici. Ok? Allez, je vais résoudre l'énigme et je vous dis à bientôt.